Bonjour YouTube, bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Far Cry 6. Comme d'habitude, toutes les infos en description, la playlist, le concours Instant Gaming pour gagner le jeu, mes petits réseaux sociaux, ma chaîne Twitch, où nous sommes actuellement, merci à Nadroge, Vador, Black et Dylan, les derniers abonnés. Et écoutez, on va continuer tranquillement notre belle aventure sur ce jeu qui est, je vous le rappelle... Sorti le 7 octobre, si mes souvenirs sont bons, sur PC et PS4, Xbox, enfin bref, toutes les dernières consoles en actualité. Et mon avis est le suivant, c'est très bon, c'est un très bon Far Cry et la coopération est vraiment cool. Comme vous avez pu le voir, des fois on est avec l'IA, des fois je suis tout seul. Aujourd'hui on est tout seul et on va essayer d'avancer un petit peu. On est à 46% de l'histoire. Et il nous reste encore Lila à faire. On a à peine commencé à la faire. Et après, j'aurai Lille ici. Et quand on a fini ça, on va pouvoir s'attaquer à El Presidente. Et du coup, voir un petit peu ce que ça donne à la fin. Parce que bon, bah, mine de rien, Far Cry 6 faisait partie des jeux que j'attendais. Maintenant que je l'ai, ben, je ne l'attends plus. Mais j'attends avec impatience d'y rejouer à chaque fois. Parce que je trouve qu'il est vraiment excellent. Ils ont fait du bon boulot. On retrouve l'aspect un peu chiant de Far Cry, de faire des camps en boucle et la petite répétitivité. Mais pour le moment, je m'amuse beaucoup. Et j'ai envie de vous dire, bah écoutez, c'est le plus important. Hein. Avec mon chien métallique en titane, là. C'est quand même la vida loca. En plus, le jeu est vraiment incroyable de beauté. Il pique tellement les yeux que honnêtement j'ai l'impression de respirer de la lacrymogène. Voilà, vous notez ces cadeaux, ces petites punchlines pour ceux qui font du rap. Ça me fait plaisir de vous aider. Ok, donc on va se TP et on va aller de l'autre côté faire notre petite mission. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Tapez la notification, ouais, faut faire F5. Des fois Twitch a des soucis. D'ailleurs, je sais pas si vous avez eu des suites au Dramax, là, avec Twitch. Est-ce qu'ils se sont fait hacker les serveurs? Est-ce qu'on sait... est-ce qu'on vous en savez un peu plus? Merci, Johan. Le FC Johan qui rejoint. Merci, Johan, c'est très gentil à toi. Bienvenue. Et moi, je suis tellement content. Là, on a fait vraiment pas mal de tests. Et bon, vous le savez, des fois j'ai des soucis avec mon PC de stream. Le partenaire Cooler Master va bientôt me renvoyer ce qu'il faut pour que je puisse l'update un petit peu. Mais mon processeur, il faisait pas partie du colis cadeau. Donc j'étais en mode, bon bah le processeur il fatigue un peu, compliqué. Parce que si je change de processeur, je dois changer de carte mère, donc je dois changer de RAM, donc il y en a pour 1000€. Et ça m'enquiquine un peu. Et en fait, en fouillant un petit peu, je suis passé sur OBS maintenant pour live d'ailleurs. En fouillant un petit peu, j'ai découvert qu'on pouvait vraiment bien rentrer dans les détails. Et voilà, on peut un peu taper sur des CRF, CBR, etc., etc., etc. Et là, j'ai trouvé un format pas dégueulasse qui encode à 70%. Et qui fait des vidéos d'une qualité, je trouve, correcte, voire même plutôt sympathique. Alors qu'avant, le processeur tournait à 100% quasiment tout le temps. Donc de temps en temps, il y avait des petits freezes, c'était un peu chiant. Donc là, je suis très content, mon processeur va pouvoir continuer à vivre. Alors, je pense qu'il y a un bunker. Ah bah c'était sûr. Hein. Ouf, on a du bol que j'ai pris l'échelle, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, je suis tombé direct en dessous, on est mort. Alors, where is the boîte of the munition? Oh, sympa ça. Sympa. Alors, ça c'est quelque chose qui peut saouler certains, hein, le côté un peu loot, etc. Moi, je trouve ça tellement agréable. C'est... Tu sais, c'est comme une cacahuète. Moi j'aime bien les cacahuètes. Et du coup j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a une icône sur le sol, elle m'appelle, elle est en mode vas-y viens manger une cacahuète. Du coup dès qu'il y a un truc qui clignote, bah je me ramasse pour le ramasser, tu vois. Enfin je me baisse pour le ramasser.
Et en y jouant de temps en temps, bah ça reste très agréable à jouer. Donc pour ceux qui trouvaient que dans Far Cry un petit peu tout se répétait en boucle, bon bah c'est Far Cry, hein, c'est-à-dire qu'on est un petit peu habitué. Mais moi personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Je prends même pas mal de plaisir à aller looter exprès pour ramasser des petits goodies. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais ouais, et le jeu est vraiment très très joli. Bon, après, on va pas se voiler la face, hein. Il est très très joli parce que j'ai un très très bon PC. Mais il y a eu du taf en optimisation, c'est indéniable. Quand on prend Arma 3 par exemple en exemple, ou d'autres jeux, ou Cyberpunk. Bon, il y a déjà de base une bonne config, mais il y a surtout une optimisation aux petits oignons. Et quand t'as une belle config, eh ben, t'aimes bien te faire un peu plaisir au niveau des options. Et là, clairement, je profite à 1000%, quoi. Pittoresque. L'hélico, je le conduis. Je suis un professionnel. Philly, moi c'est Danny. Non, il n'y a pas de Philly ici. C'est le scénario. Ouais, dans ton sac. Tu sais où il est. Bière. On est dans le nord, près de Lens. C'est pour ça qu'ils commandent ici. Ils boivent de l'alcool. On peut tout faire avec ces petits trucs. Ouais, il y a les drops sur Twitch qui sont activés tout à fait. J'ai activé les drops. Tu veux bien appuyer sur ce débloquer machin, du contenu du coup. Je vais le mettre dans le titre, tiens, qu'on a les drops. Interrupteur piégé. Tu lâches et. Alors, pourquoi t'es là? Je collabore avec Clara, de Libertad, ça te dit rien? Clara, Libertad! Avec ses noms! Il est trop mignon! C'est Chorizo! Lia, là, celui-là! Mais elle est pas là, Clara! Y'a que toi, personne d'autre! Alors, explique-moi. T'as une famille à sauver? Des gamins? Non! Alors, dans ce cas, tu veux quoi? D'abord, je veux enlever mon doigt de ce truc et savoir qui va m'aider à descendre Castillo! Ok! T'es libre. C'est toi la vedette de Clara. J'ai rien d'une vedette. Ouais, ça a marché, ça a marché. Magique Philippe bébé. Tu veux qu'on aide Libertad? Trouve Carlos Montero. C'est notre rock. Sa famille nous sauvera tous. Génial. Mène-moi à lui. Non. D'abord, c'est à Philly que tu dois plaire. Ensuite, tu devras plaire à Baby Montero. Baby Montero? C'est là. Allez, Chorizo, on y va. La Espada, sa fille. Aux dernières nouvelles, elle s'en est prise à la plantation des parias, à l'est d'ici. Il est tellement choupi. C'est gagné. Mais pour la trouver, bonne chance. Ça me fait penser Espada. À Boomer dans Far Cry 5. C'est une panthère. Oh, la prochaine petit fois Boomer. Qu'on se verra, tu me laisseras jouer avec ton sac à dos de malade? Non. Dans ce cas, fais bien gaffe aux gaz toxiques. Ouais, on est à 50% du jeu. Donc ouais, YouTube, si vous voulez dropper des items, venez sur Twitch. Il y a un poulet et un t-shirt à dropper. Je crois que c'est une heure, une demi-heure et une heure de visionnage. Mais comme c'est sur ma chaîne Twitch, ça passe vite, rassurez-vous. Alors... boîte. Des cacahuètes. 1,6 km pour de vrai. C'est abusé. Allez, l'avion. Bon, je suis pas très bon pilote, mais bon. Vous le savez déjà, ça, je pense. Ah, c'est les commandes inversées, c'est horrible. Essayer de faire exploser. Oh, la vedette! Quoi de neuf? À quoi ressemble la plantation? Des cigares, des costards, des... Honnêtement, les avions, c'est compliqué à conduire. Tu sais, la vedette, t'es à l'ouest maintenant. C'est une plantation. Je préfère les hélicoptères. C'est un vieux bâtiment.
Yoda s'occupe d'un lieutenant. Elle doit déjà y être. Elle en a après qui? J'en sais rien. On va pas se poser, on va... Tu ferais bien de t'en inspirer. Pilote non identifié, posez immédiatement votre appareil. Ceci est votre unique avertissement. Qui? Salut, Clara. T'as contacté Carlos Montero? Pas vraiment. Apparemment, je dois d'abord trouver sa fille. Bah oui, qu'est-ce que... Fais le nécessaire. On a besoin du soutien des fermiers si on veut prendre l'Ouest. J'y vais. Je t'appelle quand j'ai vu Carlos. Ça va le faire, Danny. Carlos va t'adorer. Ce qu'ils ont. Je vais devoir faire attention. Oui, maintenant, Chess. Je crois qu'ils ont un peu éclaté mon avion, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, voyons voir, dit qu'elle a été aperçue à la plantation, ok. Qu'est-ce que t'as pour moi? D'abord, on va aller voir ce que ça donne. Toujours, voilà, vous connaissez normalement ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Des coyotes. Petit téléphone. Pour cibler les soldats ennemis. D'ailleurs, ce système a été repris sur absolument tous les jeux après. Mon mur a été détruit. Ah, c'est mon chien qui aboie ça. Il les a fait fuir, c'est trop stylé. Je vais flipper eux. Alors, voyons voir. Spada, il plaisante pas. Il attend simplement que nous, les vrais Yaras, abattions le bras de notre vengeance sur ces maudits terroristes. Quelqu'un? Police! Vous êtes là? Encore. C'est la police! Il devrait l'appeler la. Commissaire Park! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Annoncez-vous! Montrez-moi vos mains! Je suis armé! Il faut neutraliser cette alarme. Il y avait une alarme, faut faire gaffe. Voilà, désactiver comme ça on sera tranquille. Maintenant il y a des alarmes blindées, on peut pas tirer dessus, ça sert à rien. Les forces spéciales. Bien sûr. Ok. On fasse attention. C'est tellement bien de jouer à un jeu comme ça. Il est tellement beau. Et comme il n'y a pas eu de PGW, bah. On n'a pas pu y jouer avant. Donc là, c'est vraiment la. Putain, le chien, dégage! Ah! C'est pas possible. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Avec mon AWAP là. Voilà. Ça va dans Phasmophobia, mesdames et messieurs. Y'a quelqu'un? Aucun médecin te saura. Bonjour. Bonjour. Pinga. Ross. Elle est putain de douée. Mais je n'ai jamais douté de nos talents, car les frayeurs. Bordel, il se passe quoi là-haut? Oh, c'est bien pour une fois qu'on a rien à faire. Tu vas continuer à me menacer mort parce que c'est censé me faire peur. D'habitude, on doit tout faire tout seul, là c'est cool. Coucou Darty, comment tu vas? Non! Pitié! Voilà! Oh! Danny, de Libertad. Des baby Montero. Mais non, on essaye après.
Fouillon de Philly. Je dois parler à ton père. Clara, elle propose un accord. Le nom de Clara vaut rien par ici. Tu bosses pour Clara Garcia. T'es la fille de Carlos Montero. Pitié, me tue pas. Dis-moi où est ton lieutenant. Mais promets de pas me tuer d'abord. Ah, Cayo Villarreal. Cayo Villarreal. C'est l'île privée de Rosset. Satisfaite? Non, mais ça ira. Et lui? Et lui va dire à son patron, José Castillo, que je tuerai tous ses lieutenants, un par un, pour m'amuser. Puis je libérerai tous les parias qui fabriquent cette saloperie de tabac. Ça, c'est pour les miens. Et pour finir, il va dire à José que je lui trancherai la gorge, comme ça, là. Et ça, c'est pour moi. Elle est excitante, hein? Je ferais mieux de l'écrire, du coup, parce que c'est beaucoup de... Contente-toi de dire à cette petite... Et le type fait de l'humour. Et dis à tes potes qui sont dans le mauvais camp. Allons voir papa. Voilà, un certain charme, hein, petit couteau, là. Je pense qu'on l'a clairement impressionné, là, avec le stoppage du couteau en claquant des mains. Je crois qu'ils ont trouvé les cadavres que t'as laissés derrière toi. On va avoir l'armée au cul. Il y a une fusillade. Bah oui, qu'il y a une fusillade, c'est moi qui tue les gens. Arrêtez de tirer sur mon chien. Voilà, bien joué, K9000. Éclate-les, mon bébé. Un camion. Ah merde. Ah putain. Elle vient m'aider, la fille du président, là. Merde. C'est chaud. C'était chaud. Ah merde. Ça va, Kiki? Mais c'est W! C'est pas ça! Le snipe, il est tellement kiffant! Hop là! C'est tellement agréable les armes! Limite, je prends plus de plaisir dans ce jeu avec les armes que dans BF quoi! Il y a un de ces mondes. Évidemment. Allez, attaque. J'ai vu qu'il y avait la mitrailleuse, mais... J'y ai pensé qu'après, malheureusement. Oh là 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 là, il y a un hélicoptère! Cassez-vous! Voilà. Hmm.
Quelle histoire. Tant pis pour la discrétion. On y va. Allez, vamos. Ça va, Kiki? Comme il est beau. C'est un chien... chien métallique. J'arrive. Ok, je te suis. Finalement, j'étais à 6. Hein. Ça sera ça en mieux. Mais en attendant, bah, c'est très bien, ça. T'éloigne pas de moi, d'accord? Ok. Ouais, attends, je... Ah, merde. Ça veut dire qu'on va faire du poney, ça. Vamos. Sois un bon cheval. C'est parti. Attends, ça fait un paquet de temps qu'on n'avait pas fait le dada. Allez hop, parce que ouais, on peut faire du poney dans le jeu là. Bon, ça se passe bien. Allez, on va les avoir. Vas-y. Ya, ya, ya. Ouais, j'étais à 6-7, trop bien. Coucou Vin, comment tu vas? J'ai tellement hâte. Ça s'est plutôt bien passé, non? Ah, y'a un tank. Compliqué les tanks quand même. Ouais, j'étais à 6, ça va être le rêve, mais vraiment le rêve intersidéral. Ok, je crois qu'on les a semés. Ouais, c'est bon. Tu te débrouilles bien. Déjà que Cyberpunk avait une hype de ouf. Et tout le monde a été déçu. Je pense que Rockstar, il y aura une hype encore plus folle. Et il y aura pas de déçu. Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Je vois pas Rockstar bâcler GTA 6. Parce que c'est toujours pareil hein, quand on attend un jeu. On peut être déçu, tu vois. Et je pense que Rockstar, il prendra le temps qu'il faut, il repoussera son jeu s'il le faut. Et de toute façon, ils gagnent tellement d'argent avec GTA 5 et GTA Online, donc ils sont pas pressés. Que le jour où GTA 6 aura une date de sortie, là c'est... C'est parti quoi, on est parti pour poser des jours de congé. Ça va être incroyable. Mais en attendant, bah écoutez, Far Cry 6, Forza Horizon 5, bon Battlefield bof bof, Call of Duty, Elden Ring, enfin voilà, le nouveau Rainbow Six aussi, la Rainbow Six Extraction ou Contamination. Plein de petites choses sympas là, donc ça fait plaisir. Il est encore loin ton camp? Non, pas loin. T'es pressé? Non, non, ça va. Tac, 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 tac. Je vais faire de l'exercice. Costa del Mar. On est près d'Union là. De toute façon, ça se voit, je pense. On dirait Red Dead, mais en version GTA. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue dans l'Ouest, camarade. L'épée et la vedette. Content de vous voir en vie. Tu l'as trouvé sans problème? Ça a été un peu compliqué, mais t'as de la chance, il est doué. Eh ben, vous arrivez à temps. Le chef fait le dîner. Il est trop mignon. Oh là, Crocodile Dundee. Moi je fais pareil avec Allez papa. Ce réfé il en a une bonne grosse paire. Vamos. C'est pour ça que les hommes ils vivent moins longtemps. Ok. Parce que... Où t'étais? J'explorais. Bon, on peut mourir à tout moment, tu vois. C'est pas à toi que je cause. Du calme, papa. C'est Danny, de Libertad. Libertad, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu y bandes pas les yeux?
Il va nous monter dessus, il va faire comme avec le coco. Ici, pas des guerriers. Tu veux que Chorizo aille faire exploser Napoléon el Pequeño? Hé, hey, laisse Chorizo hors de ça. On doit apprendre aux nôtres à être des guerriers, Rose, Camilla. Tous les deux. C'est pour ça que je suis là. T'as pas une tranche de guerrier, héros, l'ami. Je vois qu'un touriste. Si le touriste nous baise, c'est ta faute, Camilla. Il t'aime bien. Alors que j'ai déjà tué 300 personnes. Il y a un petit souci, là. Allez, Chorizo, attends pour le dessert. Au pied. Mais lâche pas ça, c'est dégueulasse. Les petits cochons! Donc là, on est dans la base des Montero, donc on passe en vue troisième personne. Vue épaule, voilà, El Classiques. Ah, trop drôle. Il est tellement mignon. Lara, on dirait Silvio. J'ai établi contact avec les Montero. Comment c'était? Disons que Carlos veut pas. C'est le chien qui vient de me donner une mission, on est d'accord, hein. Fiande de croco, haricot noir, eau de rose. Trouver le croco qui sème la terreur sur toute la Costa del Mar. Des soldats se sont débouffés à côté du parc. En quatrième cité, pourquoi ne pas opter dans le coin de chasse secrète Carlos? Ne pas lésiner sur l'eau de rose car il faut shooter sur les eaux, mention spéciale. Il faut tous mettre dans une casserole, jeter du sel et des piments. Waouh! Ça devrait me permettre d'entrer. Tant mieux. C'est un délire, sa quête là. Gagne leur confiance. On tient au pourquoi on n'achète pas des croquettes? Tiens, j'ai jamais vraiment aimé les chiens. Ah oui, j'ai déjà buté du croco. J'en avais déjà sur moi, trop drôle. Pour qu'on devienne pote, non? Non? Ah ouais, on a même pas besoin de se faire chier. Regardez-moi la taille de mon chien. On a eu du bol que j'ai pas mal vadrouillé avant. Sinon, on aurait dû aller se faire chier. C'était bien, c'était une quête facile, c'est cool. Il est tellement mignon. Je crôle sous le travail. Allez. Hé, hey, tu vas où? Tu veux que... Ok, je te suis. Là, c'est pas t'arrière dans un petit sac, vous avez c'est vu moi. Le Graal, il était enterré ici depuis toutes ces années. Bien joué. Le... Comment ça s'appelle? Le One Piece? Non. Si, c'est ça? Le trésor de tous les trésors, là. Le trésor des pirates. Le One Piece. Putain, je sais plus. C'est qui m'a désanimé? C'est pas ça? Le trésor... Ouais, c'est ça, c'est le One Piece. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis désolé, je regarde pas. Mais je vois le générique. Bah voilà, on a trouvé le One Piece. C'est bon. Vous pouvez... Ah oui, c'est Luffy. Vous pouvez rappeler Luffy. J'ai trouvé le One Piece. Il peut rentrer chez lui et reprendre l'école. Il peut rentrer chez lui et refaire des TikTok. C'est bon, c'est... C'est fini. T'as des cachettes un peu partout. Pagan Min, le méchant de Far Cry 5. Et juste après, c'est Vass, le méchant de Far Cry 3. Ça claque, hein. C'est quoi la console? Je reconnais pas, je vois pas le... Je reconnais pas le easter egg. À qui est-ce? Dante de la Plaza. J'ai le niveau 3, c'est normal. Le chien, ouais, c'est normal, parce que moi, j'ai commencé par l'île de droite. J'ai pas commencé par ici. Parce que ce qui est bien sur Far Cry, c'est que tu peux commencer par le côté que tu veux. Donc moi, j'ai fait... Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. J'ai plus aucune quête à faire ici. Hop, j'ai absolument tout fait. Et du coup, j'ai même fait quelques quêtes à la capitale, déjà. Et du coup, là, je fais ça. Parce que, en l'occurrence, tu as la possibilité de choisir... Ça alors. T'as la possibilité de choisir quelle mission tu veux faire et dans quel ordre. C'est ça qui est bien.
Alors, il veut faire caca ? Il est au courant ? Quelle question. C'est lui qui a dû te donner tout ça à planquer. Merci, Chorizo. Je crois que c'est le début d'une belle amitié. Je sais qu'on peut l'avoir en familier. Et comme ça, ce sera mon copain. Oh, Delta, comment tu vas ? Bienvenue. Merci, Vincent, ça fait plaisir. Enfin, 27. Foufou, continue comme ça, j'adore tes lives. Bah écoute, continue de venir mater les lives, c'est un plaisir. Et n'oubliez pas, on est sur YouTube. YouTube, je compte sur vous pour les petits pouces bleus. Et bah n'hésitez pas à passer sur Twitch. Puis Twitch, allez sur YouTube. Ah bah c'est bon, c'est ma monture. Los amigos. Il est trop mignon. Ouais, je peux avoir un crocodile. Je peux avoir un poulet. Et ça, c'est le skin que vous pouvez dropper sur ma chaîne sur Twitch, ça. Le skin du poulet à poil. Voilà. Donc, je vous le dis. Si ça vous intéresse, matez mon live et puis vous pourrez le dropper. Après, on a boum boum. Boum 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 boum. I want you in my room. Ta-ta-ta-ta, fantastique. Ulusso, je crois que c'est un cougar. Après, on a K9000. Et après, on a champagne. Et les deux-là, je crois que c'est du... Season Pass, un truc comme ça. Voilà pour les informations pratiques. Ça ressemble vachement au crocodile qu'on vient de tuer. Ah, là j'ai une quête. Ah non, c'est elle, ok. On va aller voir le bout. Ah bah il est là le croco. Là ce petit croconess. Ouais, le jeu, non mais le jeu est vraiment magnifique. Perdu, touriste. Carrément. Écoute Carlos, je sais que tu te méfies de moi. Et de Clara, et de Libertad, et de toutes les sales petites ordures qui en sortent. Et je peux le comprendre, on n'a rien en commun. T'as tout compris. What the fuck ? On va faire mal, ça. Je sais que Napoléon El Pequeño t'a tout volé. Et que le gaz toxique qu'il répand sur tes champs empoisonne les tiens. Je sais que t'es malade. Mais que tu préfères mourir que demander de l'aide. Merde. À ta place, je jetterai pas ce qui pourrait te servir. Le dépôt, celui où il stocke le poison. Réduis-le en cendres. Et les avions, ceux qui arrosent le tabac. Mets-les en pièces. Les fumigateurs dans les champs. Détruis tout. Compris, réfet. Envoie-moi une carte. On n'est pas sous service, hein. Chorizo. Bon génie, comment tu vas ? Bienvenue, génie. Alors... Un nouveau visage. On va prendre cette quête aussi. J'ai besoin. On se retrouve au bateau. Voilà, et là je sors d'ici, boum. Alors attendez, je vais vous dire ce qu'on va faire. Ah, faut aller là-bas. Bon, vas-y, on va continuer la quête principale. De toute façon, on va devoir faire toutes les quêtes, hein, rassurez-vous. toutes les quêtes ont leur importance. On va juste aller chercher un hélicoptère. Ça sera plus sympathique. J'ai baissé le son parce que je suis en vocal. Ouais, moi je me doute, hein. On nous a remplacés, mesdames et messieurs. On n'est plus assez bien. Ah, stylé ça. J'en ai entendu parler sur Twitter. Il y a une association qui a porté plainte et qui poursuit Ubisoft pour maltraitance animale. Parce que dans le jeu, tu peux faire combattre des coqs entre eux. Bon, mon avis, vous le connaissez, hein, c'est un jeu vidéo et le... On va dire, le combat de coq, c'est secondaire de chez secondaire. Je pense pas qu'Ubisoft encourage les combats de coq dans la vraie vie. C'était histoire de faire une ambiance... une ambiance un peu banditos. Mais bon, c'est comme ça, hein. Oh... Allô, allô, allô.
allô. Alors, d'après Oki, tirer sur le moteur sous le rotor pour le faire s'écraser, ok. On va prendre mon petit hélicoptère de combat, ça va être pas mal, je pense. On va voir. Ouais, c'est ça, c'était sur Twitter, je l'ai partagé. J'ai partagé et j'ai dit, bah, faut pas qu'ils viennent sur mon live, parce que cet après-midi, je pêchais le requin à la grenade. Et évidemment, je n'encourage pas la pêche des requins à la grenade, tu vois, mais c'est un jeu vidéo. Quand je joue à Mass Effect, je sais que je suis pas un alien, vous voyez ce que je veux dire? Et quand je joue à World of Warcraft, j'ai bien compris que la guerre entre la Horde et l'Alliance, c'est pas la vraie vie. Je commence pas à sortir une épée et... à mettre une armure de feu et à aller buter des mecs, tu vois. Mais bon. Je pense que c'est un débat qui ne se terminera jamais. J'adore poser les... J'adore le comment ça fait quand tu poses un avion. Enfin, un hélicoptère. Là, il y a quelqu'un qui veut me parler. Ah non. Oh, stylé. Qu'est-ce qu'il veut, lui, avec son camion, là? Et moi, je vous éclate tous, là, les gars. Vous savez pas qui je suis, moi? Moi, je suis un fou furieux, moi. Je peur de rien, je suis un aventurier. Allez, à l'aventure. Vaut mieux le faire sur un jeu qu'en vrai. Non, mais... Enfin, j'ai... Personnellement, j'ai le recul nécessaire, tu vois. Mes parents m'ont élevé avec amour et passion. Et j'ai pas été laissé seul sur un écran à l'âge de 4 ans, tu vois. Je pense que forcément, si tu surveilles pas tes enfants et qu'ils sont libres sur Internet et tu t'intéresses pas à ce qu'ils font, ouais, ça peut être dangereux, mais le jeu, il est moins de 16 peut-être, Far Cry. Bon, bah voilà, tu vois. Tu sais, déjà, si, entre guillemets, si les parents, ils respectaient ce qui est mis sur la boîte, bah déjà t'as pas de soucis. Quand GTA 5 est sorti, non, je l'ai piqué. T'as des parents qui voulaient porter plainte après Rockstar parce que leurs enfants pouvaient aller voir des prostituées. Faut trouver un médecin pour bon courage. Et relations sexuelles. Mais GTA 5 c'est plus de 18. Au sud de Costa Del Mar. Donc c'est pour ça qu'il y a un PEGI sur les boîtes, pour ceux qui savaient pas. Incapable de servir d'un hameçon. Il arrêtait pas de coincer sa ligne. Alors je sais que c'est chiant quand t'es gamin, moi le premier. Quand tu veux jouer à un jeu et que tes parents ils disent « Ah bah non, t'as pas l'âge !» Bah c'est, ça rend fou. Mais ça a surtout fait et bon, on a nagé 5 km jusqu'à la rive. Faut lire ce qu'il met sur la boîte. Sur des bateaux ont voulu nous aider. Mais papa les a envoyés chier. C'est quoi le rapport avec la maladie de Carlos? Ce que je veux dire, Danny. Ouais, après c'est vrai que ça... Vraiment, on parle d'eux, hein. Putain. Les Montero, ce que vous pouvez être borné. Pas moi, juste papa. C'est tellement beau, l'île derrière et tout. Putain, regardez le chien qui nous suit dans l'eau derrière. Le peuple. Enfin, c'est ce qu'avait dit il essaye de nous suivre. Là, il va se noyer. Oui. Et on est beaucoup à avoir voté pour bisous, lui. Kiki. On croyait en on pensait que ça allait repartir comme ça avant. Delmar. J'espère qu'il n'y a pas ERI qui est planqué. C'est bien. Si on veut changer les choses, on a besoin de quelqu'un pour remettre ça en ordre. Nous rassembler. Et ce sera pas papa. Pauvre chien. Alors, il est noyé. Il a disparu, vous avez vu là-bas, dans le fond? Il n'y a plus son icône, il est mort noyé, le pauvre. Ah non, il est revenu. Il est à droite, là. Donc Carlos n'a pas de plan? Son plan. Reviens, Kiki! C'est abusant, on aurait pu le mettre sur le bateau, en plus, il y a de la place. Espèce de monstre, on va. En plus, je crois que c'est des chiens en fauteuil roulant.
me rappelles le directeur Kiki de l'orphelinat. Un vrai dur, super strict. Mais si t'avais Kiki la bonne, on aurait pu le mettre là, au pire on virait la caisse de bananes et puis voilà, on en parlait plus. Ça marche pas. Il faut essayer de nouvelles choses. Garder une tête claque. De pute jusqu'à ce qu'il crève. Je suis d'accord. Bonne réponse, Danny. J'aime beaucoup. Il a repassé des vacances ici, je pense. Alors. On n'est pas visible, hein. Absolument pas. Merde, tu fumes des mexicaines? Notre tabac est passé au vivero. On peut même plus fumer notre production. Enfoiré de merde. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Cette merde de José Castillo. Neveu d'Anton, une vraie enflure. Putain, mais j'hallucine. Qu'est-ce qui se passe? Il est avec le lieutenant qu'on recherche. On dirait plutôt un scientifique. Faut qu'on bute Rosset. Non, non. Tu pourrais blesser le lieutenant. Oh merde! Bon bah... Merde. Je pense qu'on va tuer tout le monde. Regarde là. Un hélicoptère, comme par hasard. Ah non. Attends, qu'est-ce qu'on doit faire? Chorizo, viens. Il faut que je sache où va ce scientifique. Fouillons cet endroit pour trouver des indices. Allons-y. Peut-être que son ami près de l'héliport pourra nous aider. On a été sélectionné par le général Castillo pour patrouiller sur son missionnaire. Ça veut dire que nous faisons ça. Pour toi et moi, on ira loin. J'imagine que t'as pas entendu parler de Munoz. Il y a un côté Dead Island, je trouve, le jeu de zombies sur les îles paradisiaques. Après, ça fait un moment que j'ai pas joué à Dead Island, donc peut-être que ma mémoire me joue des tours. Ils ont un médecin. Mais ça fait vraiment penser à ce jeu. Le jeu est excellent d'ailleurs, Dead Island, incroyable. Jeu de zombies, île déserte. Un vrai plaisir ce jeu. L'ambiance est folle et tout, c'est trop bien. Et la suite c'est Mirror Edge, enfin Dying Light la suite. Mixé avec du Mirror Edge. Voilà. De vos responsabilités, libre de vos obligations futiles. Vous êtes ici pour célébrer votre animal intérieur et donner libre cours à vos obstacles. C'est pour vous envoyer des oh merde! Et d'où il attaque mon chien, lui? Putain, le coupable doit pas s'en sortir. Faut le trouver! Allez, fais dodo. Ouais, son lance-roquette là. Toujours dans l'excès, Far Cry là. Que je découvre où est parti ce scientifique. Seuls de rares privilégiés accèdent à cet endroit. Ici, vous serez traités comme des dieux. Avec son lance-roquette là, qu'est-ce que c'est que cette escouade de maître chien? Venez pour le cadre inédit et restez pour le sexe et la violence. Le sexe et la violence. On sait qu'on peut faire les deux. Ah merde! Je t'ai pas lâché!
comment on leur roule dessus. Et moi j'aurais pas aimé hein. Oh là là, Diablo X9 ici. Diablo Diablo X62 là. Magnifique. Magnifique. Bisous. Alors. Ça va de fleuri, je suis sur ta pointe nord dans un cas. Boisson, petit cadeau et lubrifiant sont inclus. Apparemment, José a une villa. On peut dire qu'il s'est fait baiser. Ça, c'est du loot. Je loot, tu loot, nous lootons. Waouh, hey, c'est tellement joli. Regardez-moi ça, l'eau, comme elle est belle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des c'est des Womba, je crois, non? Je crois que c'est des Womba. L'IA, elle disait que c'était des marmottes, alors c'est pas du tout des marmottes. Ça ressemble à des gros rats, mais je sais pas. À vérifier. Si je veux, je peux le buter, par contre. Hein. Je vous dis de suite, il peut se passer des trucs. Ok, nice. Bienvenue, Zlary, ça va bien et toi? Comment tu vas? Coucou. Allez. Quelqu'un est là. Merde. C'est marrant, ils bougent pas, vous savez, quand ils entendent des coups de faim, quand ils me voient, ils sont en mode... Et quelqu'un ! Attends, on va piquer le quad. Allez. Ouais, là, c'est tout, y'a l'as droit d'auteur. Oh là là, c'est nul. Qu'est-ce que c'est que cette conduite? Oh, la conduite, elle est éclatée au sol. J'ai rarement vu une conduite de véhicule aussi nulle. Hein. Bon, on va aller voir le méchant. Alors... L'artillerie lourde. Je te vois, l'ingénieur. Ok. Wouah, c'est chaud, ils ont tous des casques. Le petit chien.
Ah non, merde. Mas pequenos. Ah, je suis obligé de tuer des chiens, malheureusement. Allez, debout, Tequila. Désolé. Mais je suis obligé. Merde. J'aimerais bien ne pas avoir à les tuer, mais... Il y a un requin dans la piscine. Merde, putain, je suis con. Gentil. Ah, il a voulu me bouffer, le salaud. MDR. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Allez. Voilà ce qui se cache à l'intérieur. Hé, hey, je l'ai trouvé. Hola, que t'as la casa. Hé, hey, je l'ai trouvé. Pas de mot de passe, idiota. Voyons voir ce qu'on a là. Et on a cœur. C'est le serveur de Twitch. On est en train de télécharger. El Pequeño a une salle de torture pleine de parias. Elle est juste en dessous du phare, au sud. Putain. Tu peux me faire entrer? Voilà. Je vais continuer à chercher ici. Oh. Bonne chance, Danny. Oh, stylé le pistolet que j'ai trouvé. J'ai trouvé THE pistolet dans la moelle. Allez hop. Allez. Voilà. On va pas laisser de témoins, on sait jamais. C'est quand même vachement bien le Wallach, hein. On en fait toute une histoire du Wallach, mais... C'est quand même pratique. J'aurais jamais su qui était là, le chien, sinon. Alors là, il y a une caisse d'armes, normalement. Yes. Oh, un M9 pistolet. Parfait, ça. Ah merde, regardez. Ils ont brûlé des gens en mode barbecue, quoi. On a le sauvé, ces gens. Bienvenue, Same. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue sur le Let's Play Far Cry 6. Alors... Un 200 mètres. Il est bien. La Libertades. J'ai appris mon chien métallique, il est un poco mieux. Comme ça, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien du tout, c'est propre. C'est carré.
Le sniper est tellement cool. Change de position. A la merde. Attention. Viens. Ouais, forcément, ils ont mis des casques, hein, parce qu'ils ont... Oh Dieu, je veux pas mourir. Ah, merde. Hé, horrible, s'il te plaît. Salle de torture, ici. Viens par ici. Que Dieu te bénisse. Allez-y. Merci beaucoup. Gracias. Désolé de ne pas être arrivé plus tôt, les gars, putain. MDR, Espada. Procès avait transformé cet endroit en salle de torture privée. Il y avait des parias à l'intérieur, mais je les ai délivrés. C'est un malade, ce type. Ça devrait pas m'étonner. Bon travail, Danny. J'ai découvert où bossait le scientifique. L'enfoiré qu'on a vu tout à l'heure. Son labo est à Revenira. Et on dirait pas les soldats dans Squid Game. C'est pas plus simple que tu me dises ce qui se passe. Si j'ai besoin que tu saches. En rouge comme ça. Je trouve que ça ressemble. Ça ressemble pas mal à Squid Game. Stylé là le truc pour faire passer les câbles en dessous. Mais de base, ça c'est pas pour rouler dessus avec des véhicules, mais là il sert à rien, non? Papa est pas doué avec la technologie. Il m'a demandé de t'envoyer une photo du poison. C'est pas la première fois que je vois du poison. Non? Mais ça sert à rien. Ça? Papa se méfie des étrangers. Ouais, c'est parce qu'il y a un escalier, je sais pas, ça me paraît bizarre. Maintenant, montre-lui que tu sais ce que tu fais. Moi ça, je l'aurais mis au milieu de la route, vous savez, si les câbles devaient passer de l'autre côté. Mais là, si c'est juste pour pas marcher dessus... Regarde, là, tu marches dessus, là. Regardez. Allez, vas-y. Ouais, du monde. Il est tellement stylé ce chien. Après on peut pas les détacher, c'est pour l'ambiance, on va dire, pour les touristes. Alors. Ok. On va aller prendre un hélico, je pense. Ça serait trop long à pied, ça va être trop chiant. Hélicoptère et puis à l'attaque. C'est la seule possibilité que je vois. La vallée du tabaco. On va faire ça. Juste que je fasse gaffe à ça, c'est tout, et ça devrait aller. On va voler Razmot pour éviter tout souci avec la missile. Coucou Mathéo, bienvenue, comment tu vas? Salut, camarade.
Je croule sous le travail. Comment c'était ? Rose veut pas entendre parler de moi, mais j'ai sympathisé avec sa fille. Alors, qu'est-ce qu'il reste à fabriquer ? Ça. Comme ça, on aura tout fabriqué, on sera bien. Qu'est-ce que ça fait de beau matin aujourd'hui ? Maman ! On va bien manger, moi je vous le dis. Wesh alors ! Ouais, c'est les recettes, ok. Ah, ou alors c'est un Utia, la bestiole qu'on a éclatée. Disons que Carlos veut pas entendre parler de moi, mais j'ai sympathisé avec sa fille. Comme ça, on aura fabriqué tous les trucs. Las banditas. Ça va bien et toi ? Ça va bien ? Je fais mon sport aujourd'hui. Petit live Far Cry cet après-midi. Vamos. Donc parfait. Hola, señoritas. Qu'est-ce que nous avons de beau ? La vitesse augmente l'endurance. Stylé ça. Chaussures de désamorçage. Il y a plein de trucs trop stylés. Après, ce qui est important, c'est au niveau de la vie. Comme leur semblable, Danny. Gagne leur confiance. On se tient au courant. Faut que je râle voir lui. Si on peut les augmenter en niveau. J'ai tellement de ressources. Voilà, Danny. C'est les fameux, les fameuses petites cacahuètes là que je ramasse partout, ce que je vous disais. Tout ce qui brille, il faut le ramasser. Comme ça, t'arrives ici, tu fais une dinguerie, c'est trop bien. Perso, je travaillais, vite fait geeker, fait du sport, petite piscine avec Jacques, petite vue. Ah ouais ? T'es de quelle région, Mathéo ? Mais qu'est-ce que c'est ? Parce que... Personnellement... la météo, chez moi, elle donne pas très très envie, tu vois. Enfin, aujourd'hui, ça allait. Moi, aujourd'hui, je voulais tondre, j'étais levé à 10h. Salut Danny. Donc moi j'ai été levé assez tôt par rapport à l'heure où je me suis couché. Et je voulais tondre. Et je me suis dit, ouais, je vais pas tondre un lundi matin à 10h, tu vois, je suis pas un monstre. Je vais attendre le début d'après-midi. Et puis en même temps, comme l'herbe était humide, je me suis dit, bon bah... comme ça, ça me permettra de tondre une herbe sèche. Que tondre de l'herbe humide, ça sert à rien. Et ben, manque de bol, il a pas fait assez chaud pour sécher l'herbe. Donc j'ai pas pu tondre. Du coup, je me suis dit, bon, si on tombe pas, on va streaming. Du coup, bah, j'ai stream toute l'après-midi. Après, j'ai fait mon sport. Petite séance du lundi, très agréable, ça faisait du bien. Et après, stream. Parce que la semaine dernière, j'ai raté deux séances, trop mal au crâne. Je me suis fait vacciner la semaine dernière et j'ai souvent mal au crâne depuis que je me suis fait vacciner. Et du coup, j'ai vraiment une perte de motivation. Qui que vous soyez, vous entrez illégalement. Pas très envie, quoi. Aérien. Faites demi-tour ou nous ouvrirons le feu. Voilà, ça va un peu mieux, là. Carlos, Danny. Danny de Libertad. Je sais. Tu crois que j'ai pu oublier ? Non, je savais pas si... On rapproche d'une zone de passage. Je cherche des couloirs jaunes. Il y en a aussi dans les avions d'épandage et les fumigateurs. D'accord. Ouais, je fais n'importe quoi ! Mange ça !
C'est un peu dégénéré, hein. Là, j'ai un peu fait à la bourrin. Faut pas faire ça, hein. Tu vas enfin me révéler ton super plan secret ? Bienvenue, Danny. C'est un peu la guerre. C'est un peu la guerre. Personne avec cette merde. Non, pas maintenant. Oh, on peut rien faire, ça sert à rien que je retire dessus. Détruisez le poison. Ah, il y a ça aussi qu'il faut que je fasse péter. Allez, viens, Kiki. Oh putain! Il aurait pu attendre que je m'éloigne peut-être, non? J'ai un peu fait de la merde. Ah merde, il y a un ingénieur là. Colle ici, il faut me descendre. Appareil B5-606, identifiez-vous immédiatement. Ah, con. Wouhou ! C'est parti ! Quoi, les roquettes déjà? Ah merde! Je rappelle qu'il faut frapper ces avions d'épandage. Ils sont chers. Ah merde, oh, fais chier! Oh les salauds! En plus, j'avais rien fait!
détruit encore plus de fois. Je devrais gagner la victoire. What the fuck? À la rue! Les hélicos, c'est abuser sa mère. Je sais pas si je peux me giver. Hein. On peut pas échanger là. L'arc qui sert à rien. Ah ouais, ah trop bien. Ah merde, j'ai tout raté. Ça, c'est abusé, c'est super dur. L'IA a réussi à les éclater facilement avec. Nice. Ouais, je voyais pas ça si difficile. Il y a des avions qu'il faut que j'éclate là. Putain. Ah, je crois que je peux m'auto-réanimer avec mon sac, non? La réponse est non. C'est dommage. Ah, j'avais plus de pouvoir. C'est dur, c'est dur. Yo Didi, bienvenue, comment tu vas? Merci Thermi, merci Same, ça fait plaisir pour le follow. Sur PS4, j'ai pas essayé sur PS4, mais sur PC, il est vraiment bien. Mal de crâne, c'est à cause des antennes 5G, c'est vrai? Coucou Valentin, bienvenue. Petit soleil, ouais, ça fait plaisir. Moi aussi, petit soleil, mais pas assez pour la tonte. Oui Kevin, bienvenue. Ouais, PS4, je sais pas, j'avoue que c'est une bonne question. Ça va, l'hélico il est plus là, tu vois. J'ai détruit encore plus de poison. Je devrais gagner la confiance du vieux. Je suis à quoi? Je suis à 78%. Carlos, 82. Il faut frapper ces avions d'épandage. Ils sont chers. Et l'armée peut pas les remplacer facilement. Au cas où t'aurais oublié. Pourquoi on m'envoie pas simplement un texto? On est plus dans les années 90, bordel. Un fumigateur. Je sais. Ah, peut-être qu'on peut faire ça. Repéré. What the fuck? Ah non, il fout le feu, ça changera rien. Quoi que ça fait son petit effet quand même hein, quand on y fout le feu. Il y a une mission au début, vous allez kiffer, elle est dispo dans le let's play. Au début, tu brûles des... Bah comme ça, des champs.
Un petit peu à la Far Cry 3. C'est trop bien. El Famoso Mission de Far Cry 3, quoi, la plus connue. Ça implique corrompu, ça. T'as des infos pour moi ? Je préfère recevoir du fric plutôt qu'une balle. Voilà où tu trouveras nos ressources. Muchas gracias. Ça suffit maintenant. Il est fou, lui. Il est fou, lui. Enfin, tu lui donnes de la thune et il balance ses potes. Allez, t'es libre, tu peux y aller, poteau. Oh, je laisse pas ça en vie. Voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à faire? Parce que il me reste 2%. Si j'arrive à faire 2% ici, j'ai pas besoin d'aller de l'autre côté et ça me plairait beaucoup. Vous voyez le feu? Et j'ai lancé un cocktail Molotov tout à l'heure, c'est encore en train de brûler. Et comme c'est du tabac toxique, si je respire les fumées, je perds de la vie. Et le feu est super bien fait. Ah nice, parfait, ils ont mis ils ont respawn les mecs. Comme ça j'ai pas besoin d'aller de l'autre côté. Carlos, c'est fait. Bien. Voyons si Napoléon El Pequeño comprend le message. J'ai encore du boulot pour toi. Reviens au camp. Essaie de pas te perdre, touriste. Nice. Ouais, c'est bien, on a gagné un peu de temps. On va pouvoir retourner à la base, parler à Carlos. Allez hop là, zoubidou. Pitch. Bon, c'est bien, mission intéressante, c'était pas trop long, pas trop chiant, bien équilibré. C'était bien. Pas besoin de faire tout le tour. Salut, de la carte. Camarade. Construis-moi un vrai camp de guerrieros, qui disait. Avec ta technique pour finir en prison. C'est un Terminator, bienvenue. Toujours pas de PS1, du coup je pensais le prendre sur PS4. Bah, honnêtement, je sais pas. Tiens, un nouveau visage. Quand tu vois la gueule de Cyberpunk sur PS4, tu vois, tu peux te poser des vraies questions. Hein. Il paraît crossé et furieux. T'as bien niqué son opération. Donc, peut-être que je me suis trompé à ton sujet. Après, sur PS4, t'as des beaux jeux, hein. Je vais te demander de me rendre un service. Les Last of Us, Days Gone, etc. Les jeux sont très jolis, hein. Mais là, ouais, Far Cry, je sais pas. Cyberpunk, c'était l'abus, ouais. Ouais, il y a des requins, mais dis bien sûr, il y a des requins. Nos camarades et on se casse avant qu'ils donnent l'alerte. Je compte sur toi, touriste. Faut pas que tu merdes. Non, je pense aussi qu'il est mieux optimisé que Far Cry. Enfin, que Cyberpunk. Traîne pas trop pour m'amener ce fourgon. Mais après, il sera pas aussi joli que ce que tu vois. Là, on est en 2K à 380 FPS. Enfin, voilà quoi. C'est. Quelqu'un aime les fossiles ici ? Genre. C'est sérieux, t'as vu ? Ok, les Ouais, mortel. Enfin, un combat de coq. Viens me voir. Alors, tu veux t'amuser un peu ? Tu crois que ton... Oh, trop drôle. Ah ouais, attendez, JKL. Putain, mais c'est abusé les touches qu'ils ont mis. Non ? JKL ! Waouh ! Incroyable ! Oh, faut qu'on en fasse une vidéo spéciale de ça, c'est trop drôle. Les gens, ils vont kiffer. Je vais noter. Dans ce coin, l'un des combattants les plus dingues que cette arène ait connu. Avec des ergots comme des machettes. Eh, vous êtes prêts? Faites vos paris. Terminé.
C'est ça qu'une association... C'est pour ça qu'une assoce a porté plainte contre Ubisoft. Honnêtement, bah ça va, tu vois. Quand tu joues à Tekken... et que t'incarnes un alien, tu vois, tu as compris que tu vas pas commencer à dominer l'espace. Ah non, 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 il fait son ulti, il est fou. Joule, Joule, bien joué l'équipe. Un coco. Un coco, mesdames et messieurs. Coucou Furious, comment ça va? Nice, on a pris 100$. Bon, c'est bien, on se fera une petite vidéo. C'est moi, il s'appelait Papacito, l'autre chat. Ah ouais, il s'appelait Papacito, l'autre poulet, d'ailleurs. Bon, ouais, c'était bien ce petit combat. Après, ouais, c'est pas non plus le... C'est comme ça, c'est pour le délire. Tout le jeu ne tourne pas autour de ça. Je vais voir si on peut pas améliorer mon lance-flamme. Bon, personnellement, j'ai rien vu de... Enfin, je vais pas porter plainte contre Ubisoft parce qu'ils ont fait des combats de poulet, quoi. Je me dis, bon, ça va, tu vois... Voilà. Alors on va le pimper niveau 4 là, notre petite arme. Comme ça, ça va être bien méchant ça. Je sais pas si les autres armes on peut les pimper. Petite médaille. Je crois qu'elles sont déjà pimpées, non? Ah non, ah non, il y a différents lasers, ok, trop bien. Donc là, je suis déjà en niveau 3. Silencieux 3. Visée 3. 3, 3. Ok. Et en apparence. Ok. Et là. Et en sniper. En sniper, on peut rien modifier, c'est dommage. 2, 2, 2. Ah lui il fait beaucoup plus de dégâts lui. Ah j'avoue, il fait mal. C'est bizarre parce que je l'ai monté comme je pu lui hein. Ah merde, c'est parce que j'ai mis des balles toxiques, putain le con. Ouais, je suis merdé, j'aurais pas dû mettre balles toxiques, bah c'est pas grave. C'est pas une arme que j'utilise tout le temps de façon... Alors là, c'est quoi ça? Pistolet automatique. Oh. On l'a débloqué lui, on vient de le débloquer. Il est choupi. Là j'ai M9. Pistolet de Mandelos. Oh. Ok, 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 ok. Il y a des trucs plutôt sympas. Il y a pas mal d'armes. C'est ça qui est cool dans le jeu. Tu peux vite te perdre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, je peux débloquer un zèbre, vous avez vu? Un petit zébri. On va plutôt faire ça, le niveau 7. À la poursuite du lieutenant. Faut que j'aille là. J'allais tout là-haut. On va aller chercher un hélico et on se casse. Enfin, on va aller buter le lieutenant. Ça sera bien fait pour lui. Et là, c'est le chemin de droite.
Ouais, belle photo. Très jolie, très jolie. Très jolie photo. Ouais, ils sont vénères, les petits poulets, là. J'aime bien. On va prendre celui avec les lance-missiles, même s'il est pas très très résistant. Non, ok. Allez, en avant. Touriste, Philly va t'envoyer une photo du type de camion qu'on cherche. Et toi, tu peux pas le faire? Je le ferai si cette merde de téléphone voulait bien faire ce que je... Non, mais j'y crois pas. Ah ouais, ok, elle est là. Parfait. Pourquoi se faire chier à monter des échelles alors que tu peux te poser en hélico? Bon, le jeu, il s'en fout, tu vois. Bon, lui, t'es venu par l'échelle. Mais bon, nous, on connaît la vérité. On sait qu'on s'est fait plaisir. Petit hélico du bonheur, alors, voilà, c'est tout. Ce type-là t'intéresse autant. Cette espèce d'enfoiré vérifie toutes les feuilles de tabac pour le vivero. On bousille les feuililles. On bousille le sapin de Médoc. 4-0 pour l'Allemagne. On bousille l'opération de Napoléon El Pequeño. On le ridiculise devant son tonton Anton. Il y a du monde. Comment tu vas oh, faire? Oh la raclée. On tue les soldats jusqu'à ce qu'on trouve. Et après... Mamacita. Et après, on tue d'autres soldats. C'est simple. Oh la raclée. 4-0. Je disais bien que l'Allemagne, c'était sérieux quand même. Oh. Rien durant la première mi-temps. Par contre, la deuxième mi-temps, en face, ça devait pas être solide physiquement, je pense. Enfin, moins solide que l'Allemagne. Et 4-0, une ouverture. Ok. Un sniper. Je pensais que c'était des mecs qui étaient pendus au début. Il est avec nous, lui, non? Il est gentil ou il est méchant, lui? On dirait le bâtiment d'Arma, celui-là. Ah non, il est méchant. Ah, le jeu, il s'est trompé. Il y a un petit bug, là, hein. Tirer sur cette alarme sert à rien. Oh, y'a un truc là-bas qui a brillé. Va voir au terrain de baseball près de Verdera. Y'a toujours des camions garés. Ok, gracias. Désolé, j'ai pas réussi. Oh merde, y'a un tank et tout. Putain, mais elle est où ma pote? Tu sers à rien. Oh, c'est abusé. Merde.
Nice. Ok. On va prendre le snipe. Allez, on va les avoir. Voilà. Allez, on fonce pour l'ouest. Allez, attaque. Oh non ! Je bouge. Je bouge. Continue à tirer. Ah. Ah. Ok, c'est parti. Ok. Un camion. Stylé, comment ils ont fait les pièces et tout. Ça fait un peu GTA ça, je trouve, le décor là. Passe encore. Ouais merde, mortier. Ok, il y a un hélico de combat. Ouais, c'est vraiment, vraiment stylé le truc. Sinon, vraiment, les hélicos, c'est insupportable. Attends, bienvenue. Le match, c'était Allemagne-Macédoine. Avec son mortier là. Je voyais pas où il était, mais. Par contre, il voyait bien où j'étais lui. Bon, il en reste un. Ah merde! Ah là, c'est les chiens. Je pensais que c'était la meuf qui avait un souci. Allez, va chercher! Il a bas le dernier. Allez, cherche! Ah, je crois qu'il a trouvé. Il a. Allez, hop, à la machette! Oh, Gavark! Comment ça va? Bienvenue, Gavark, ça fait plaisir! Tiens, coup, j'arrive. Ok. Alors, BG. Les Esmés. C'est comment de vivre dans un paradis toute l'année? Regarde, moi, je dois jouer aux jeux vidéo pour être sur une île, tu vois? Voilà, on n'est pas tous déjà à la même enseigne. Hein. Bienvenue, bienvenue. Le petit T3 de 42 mois. C'est beau. Bienvenue, bienvenue. T'as testé Gavark Far Cry 6 ou pas? Si tu l'as pas, je te le conseille. Il est vraiment très très bon. Moi, je prends beaucoup de plaisir à y jouer. Et c'est trop stylé. Mais je suis déjà rentré là-dedans. Wesh alors, le sang! Wesh alors, comment ça va? T'approches pas de moi! Putain de merde! Bonjour.
Merde, c'est ça. C'est un peu plus calme que dans le jeu, c'est vrai. C'était pas envoyé de classe, c'est bizarre. Hermanito, a dû se perdre. Frère contracte depuis tout ce temps. Le pigeon voyageur. Pourquoi tu m'as rien dit? Alejandro. Pigeon voyageur, il a dû se paumer. Va te faire foutre. Allez. Pardon. Vas-y, lâche-moi. Putain. Wow. Oh non. Arrête. C'est quoi cette bagarre là? Qu'est-ce qui t'arrive? Étranglement, étrangle-le. Étrangle-le. De l'acide dans les yeux, bon point ça. Tu m'emmèneras nulle part. Je te l'ai déjà dit et je te le répète maintenant. J'ai foi en Castillo, moi. Je crois au Viviro et en José. C'est un précurseur. Napoléon El Pequeño trafique des esclaves. C'est un gros détraqué. Il n'y a personne qui essaie de m'enlever. T'as changé d'uniforme, t'as changé de nom, mais tu restes toujours un Montero. Et papa a toujours une machette dans le cul. Et toi, tu cours toujours dans la jungle comme tu le faisais à 5 ans. Sauf qu'aujourd'hui, tu tues des gens et qu'on t'appelle comment? La lame? L'épée. Ah, trop cool. Oh là. Quoi? Tu vas me poignarder maintenant? Papa est malade. Moi je l'aurais fait, sans malentendu. Bisous Didi. Rien à battre. Bisous, papa Didi m'a laissé tomber depuis longtemps et tu le sais. Ah les enfants, faites des gosses hein. Ça fait chier la famille, pas vrai? À ce qui paraît. Séparons-nous. Et pas un mot de tout ça à papa. Sinon quoi? J'aime bien mes bottes. Mes bottes Louis Vuitton. Vamos. Vamos! Capitaine! C'est le réveil matin? C'est bien cette petite escapade là. Hola, ça va? Hola, est à la casa. Merci de m'avoir aidé à retrouver Allez. J'ai pas été très honnête avec toi. T'inquiète. Au moins maintenant je connais la vérité. J'avais peur que tu refuses de m'aider si tu savais que mon frère était militaire. Comment ça se passe? C'est un traître. Si. Mais ça reste ton frère. Reviens vite au camp. On a encore beaucoup à faire. Je gère. Je mets des têtes à des mecs qui m'ont rien demandé. Je suis devenu un monstre. Regardez les coyotes là-bas, regardez. Hop là, ils vont le démonter. Ils l'ont fait tomber de son cheval, lui il leur tire dessus. C'est GTA hein. Regarde le coyote, et l'autre il lance une grue sur le coyote. Bam, grenade enflammée. Il a tué les deux coyotes. Elle est morte. Ils auraient jamais dû toucher au coyote. Hop là. Du coup, on a deux coyotes de mort et deux mecs. Je suis un héros. Même pas, il y a un coyote qui a réussi à s'en sortir. Regardez, il est là. Donc, on a un coyote de cramé. Et deux mecs de mort, voilà, moi je suis le défenseur des coyotes, mesdames et messieurs. Avec bip bip le coyote, le protecteur. Est-ce qu'on peut acheter Far Cry 6 sur Instant Gaming? Je sais pas, faut regarder s'ils vendent la version Instant Gaming, je te laisse le check. J'ai pas... Moi je joue très peu sur console, hein. Faut savoir que... j'ai une PS4 pour The Last of Us. On les a fait les deux, et après j'ai une Switch. Pour voilà, les jeux qui sortent en exclusivité sur Nintendo. Le reste, c'est que du PC. PC Master Race. Voilà, vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de blagounette ou de jeu de mots, c'est vraiment PC Master Race. Oh, il était balancé. Faire cette mission, ça a l'air marrant.
C'est la prison, ça? On va prendre un hélico, hein, les gars. Vous connaissez la chanson. Allez, hop. Vous pourriez aller en bagnole, mais ça serait vraiment très long. Je vous jure. Ça serait horrible. Tiens, un nouveau visage. Je croule sous le travail. Wesh alors! J'ai établi le contact avec les Montero. Comment c'était? Disons que Carlos veut pas entendre parler de moi, mais j'ai sympathisé avec sa fille. Elle devrait me permettre d'entrer. Tant mieux. Il faut qu'ils te considèrent comme leur semblable, Danny. Gagne leur confiance. On se tient au courant. Mais j'ai rien fait! Revenez! C'est pour donner à manger à mon chien, il a faim. Faut bien que... Enfin, voilà, faut bien que je le nourrisse. Je suis pas un monstre. Allez hop! En voiture, K9000, là. À l'aventure! Alors, on va où, nous? On est là. Oh bah non, on va aller direct, j'ai même pas besoin, je peux passer au milieu en plus. Si je me démerde bien, on devrait même pas être emmerdé par les tourelles en plus. Donc ça, ça peut être assez sympa. C'est tellement stylé voir les gens vivre leur petite vie. Quand on voit déjà comment le jeu est beau, je pense qu'on peut avoir beaucoup d'espoir pour GTA V. Je pense, hein. Engin non identifié en zone d'accès restreint. Ici le contrôle aérien. Posez-vous ou nous ouvrons le feu. Victime va. Fais chier. Ouais, t'inquiète. J'ai mes entrées, on va réussir à le faire uniquement avec l'hélico. Alors. Pouf! Police! Merde! Force et délibération! Force et délibération de la libération! Force de libération de la libération! Faut aller où? Okay. Allez hop, demi-tour. Limité à 30 km/h. Allez hop là! Un petit peu de voiture pour le plaisir. Ça fait un moment qu'on n'a pas conduit en plus. Poussez-vous! C'est pas vrai. Police! Là, je conduis à une main. Attention! Je crois que j'ai roulé sur l'épaule, on l'a même pas senti. C'est tellement beau. On est chez Gavark là. Gavark, il habite là, la maison à droite. J'ai déjà été chez lui. Celle-là, la petite bleue là, vous voyez le... Carlos, le cabane là. Très bien. C'est là où il habite. Ça marche. Non mais après, faut comprendre aussi. Hein. Ah, il... Hop là. Il a fait des choix pas faciles dans la vie. Mais bon. Ok, faut que je rentre dans le garage. Je vais chercher Carlos. Enfin, faut vous mettre à sa place aussi. Quand tu sors de longue peine, voilà, y a pas grand chose à faire après. Gavard, t'as quoi là? T'as 54 ans, je crois. Bientôt 55. Okay. 30 ans de prison. Longue peine. Y a pas eu d'aménagement. Voilà quoi, c'est... Forcément, tu sors de tôle, il n'y a plus grand chose quoi. Mais bon.
T'inquiète, j'arrive. Je vais venir te libérer. C'est soit un sub T3, soit une vraie maison. Ah, je comprends. Ouais, Lumpen, c'est comme ça qu'elle s'appelle ma sœur exactement. Tout à fait, tout à fait. Ça ressemble à l'enfer. T'as raison. Mais j'avais Miguel. On serrait les coudes. Ouais, t'as dit qu'il était comme un fils pour toi. C'est l'enfoiré le plus coriace que quand je pense que je t'ai invité à une soirée YouTuber. Quelle erreur. Je crois que t'as vite oublié nos soirées libertines, hein. Parce que quand monsieur était sur Paris, hein. Il y en avait du monde pour venir aux soirées libertines, monsieur Gavard, sur Paris, hein. Ouais, il y en avait du monde pour se ramener aux soirées. Ça dérangeait pas dans ce cas-là. J'ai toujours les photos pour te rechanter au cas où. J'espère bien. Coucou, donc, petite mine, comment tu vas? Donc, non, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait. C'est le chien qui a pété un plomb. C'est le chien qui fait n'importe quoi. En fait, comme le chien, il courait après le camion, il a tout déclenché, du coup, ça a dégénéré. Oh, Mathéo, comment ça va? Ça ressemble à l'enfer. Allez, la zonzon. La zonzon, c'est ça qui est bon. C'est la zonzon. Il a failli être Seigneur Yara avant qu'on soit embarqué. Comment tu t'es enfui? Un soir, Camilla est entrée furtivement. Elle a planté trois gardes, pris deux balles dans l'épaule, chopé un otage et nous a libérés, Philly et moi. Ouais, ça c'est signé, Spada. C'est bien ma fille. Mais elle a pas trouvé Miguel. Et après, c'est devenu trop risqué. Alors, on l'a laissé avec d'autres camarades. J'espère juste qu'il est pas trop bousillé. On arrive. Plus un mot. Miguel. Carlos Montero, et pourquoi t'es là? Miguel, il est où? J'en sais rien. Les gardes l'ont emmené dans la prison. Eh merde, c'est chaud. On se casse. Pars. Je cherche Miguel. Si, Chop, ce sera toi contre toute l'armée. T'inquiète, papa. Je suis plus un bébé. T'es complètement malade. Quand tu l'as, va à la station-service. Bonne chance. On est un héros. Pinga. Je vais vous laisser de manger court. Quoi il ressemble. Bon courage, Alfast. Ça va bien, Mathéo, et toi? Ingénieur repéré. Ils sont vraiment nuls, hein, les PNJ, non? Toi, Miguel. Putain, fichier manque la clé. Danny, Carlos Montero m'envoie. On a besoin d'une clé. Regarde dans la salle des gardes.
Ça peut pas être plus rapide, hein. Je marche dans les traces de mon père, tout en perpétuant son rêve de liberté. Neutralisons cette caméra. Oh merde, y'en a en haut. C'est mon fils Diego qui marchera dans mes pas. Bien qu'il n'ait pour l'instant que 13 ans, oui, sa force, allez voir ce qui se passe. Son intelligence, son ambition. Diego perpétuera les rêves et protégera le pareil que nous créons. Diego Castillo, mon fils, fils de Yara. Quoi ? Il sait même pas où je suis ? On serait dans Days Gone, les gars, comme ça. Alors qu'il y a même pas d'attaque, ils ont pas de preuves, c'est abusé. Ils ont lancé l'alerte pour rien. Adieu. C'était osé, ça. Dans le ciel. C'est la guerre, mon capitaine. Ah, je sais, c'est la salle des gardes qu'il faut que j'aille, mais je sais pas où elle est encore. Donc, je pense que je vais tous les tuer. On verra après ce qu'on fait. C'est joli avec la forêt derrière là, enfin la montagne. Je pense que je dois pas être là de toute façon. What the fuck? Mais comment on me l'a mis? Ah mais c'est abusé les grenades. De me le dire hein, si je peux pas gagner hein. Grenade. What the fuck? Ils ont foutu le feu à la base. Voilà la clé. Voilà. Si seigneur. Si seigneur Zolo. Tac. Là.
Yo. Ça va, Pablo Escobar? Ici, passe devant. BG, Mulan là. Carlos. Allez en avant. Bon boulot, touriste. Allez Miguel. Maintenant, fais le sortir et retrouve-moi à la station. Miguel. OK. Attention à la grue, poteau! Miguel, t'es où? Miguel! Putain, planque-toi! Tu m'aides! Je vous attends les mecs hein. Attends, on va réparer le véhicule parce que là, là ça va être un peu complicado. Oui, la mécanique, c'est facile hein. C'est facile, ça va Champo, bienvenue. Ouais, on avance bien, ça progresse bien. Hop là. Y'a un gars qui est là normalement. Ah ouais. Ouais, tu me tires dessus alors qu'il était planqué comme je sais pas quoi. Allez viens Miguel là. Ah, là, là, là. Allez, comme par hasard, c'est de l'autre côté, vous savez. Ah merde. Bon bah on va couper. La station nationale de Yara. De la vraie musique pour les vrais Yaran. Radio chelou là. On dirait Waze, vous savez quoi? J'étais dans le bon sens. Quelqu'un attend avec Carlos. Mais comme j'ai pas pris la route que Waze a voulu, bah on devait faire un détour. C'est bien une petite évasion là. On dirait l'émission à la GTA là où tu dois prendre un véhicule, le ramener dans le garage, etc. Pour être sûr que tu te barres pas avec, vous voilà. Savez. Allez, monte. Un peu que je vais monter. Et on est arrivé avant lui. Comment c'est possible? Il se traîne, hein. Ça va, Boubou? Bienvenue, bienvenue. Vous êtes vraiment des gens horribles. Ça peut pas marcher, le jeu il est chill et tout, tu vois. Oh, je suis pas en mode stress. Vous avez bien joué, Nico. Ça aurait pu marcher, mais... Et dire que je croyais que vous étiez rationné. Tu me fais rire. Ah, je suis détente, tu vois. Toujours sobre. Je suis dans la détente. Je pense à part. Mais peut-être une prochaine fois, Miguel. Tu vois. Je mets un pouce bleu quand même. Je suis désolé de pas être venu plus tôt. Ça fera peut-être peur à YouTube, hein. Dis pas de conneries, Carlos. Faut ce qu'il faut pour survivre, je sais. Survivre, mesdames et messieurs.
parler, assez parlé. Donne-moi cette putain de guitare. Nous devons survivre. Sur les bancs publics. Beau travail, touriste. À notre première rencontre, je voulais te déchiqueter comme un crocodile, mais... T'es un Montero maintenant, Danny. Gracias. Gracias, mille. Tais-toi et bois. C'était bien ? Ça va, Ghost ? Bienvenue, bienvenue. Ah ! Chewbacca ! Ils sont en train de nous manger l'oreille. Il est tellement mignon. C'est quoi, c'est un Tekken, non ? Cogno. Enfant d'adoption, enfant de juron. C'est bien, ça avance. Ça fait le plaisir. Merci Ganja pour le follow, bienvenue. Lara, j'ai établi le contact avec les Montero. Comment c'était ? Disons que Carlos veut pas entendre parler de moi, mais j'ai sympathisé avec sa fille. Elle devrait me permettre d'entrer. Tant mieux. Écoute, on fait ce qu'on peut, génial. Il faut qu'ils te considèrent comme leur semblable, Danny. Gagne leur confiance. On se tient au courant. Quel plaisir ! Voler les ergots. Bon alors, voyons voir. Where I do to doing. Attends, là, il n'y a pas un truc, là ? On va faire ça, plutôt. Pourquoi s'embêter à aller à l'autre bout du monde pour aller voler des plumes de poulet, là ? Allez, vamos ! Vamos, vamos ! Ouais, j'ai le retour du live, là. Bah, je suis obligé, hein. C'est jamais... Comme je parle tout seul, si le live bug, je m'en rends pas compte, tu vois. Tu m'en veux pas. Qu'est-ce que t'as fait de beau, Trembo, aujourd'hui ? C'est passé, ça, hein ? On doit regarder vers l'avenir. Et dans l'avenir ! Je vois un camion militaire. Avec des armes spéciales, et une sauce spéciale. Et Philly aimerait beaucoup mettre la main dessus. J'aime planifier les choses. Dessus. Et j'ai pour projet de booster... Bonne chance. Dessus, dessus. Je t'en dirai plus. Dessus, dessus, dessus. Alors, wesh alors. Ouah, c'est méga loin. Je me balade à Patoune, hein. On va aller chercher l'hélicoptère et puis on y va. Bisous, Black. Passe une bonne soirée, à demain. Le planning est dispo, d'ailleurs, Tuchinou. Pense à le mater. Le planning des lives est disponible dans la description. La semaine est validée. Donc si vous voulez Tuchinou, si vous voulez venir vous poser cette semaine sur un jeu en particulier, bah vous avez le planning. Voilà, profitez bien. Ma journée, c'était trop bien. Petit sport. J'étais levé tôt en plus. J'étais levé à 10h. Et ouais, j'ai fait plein de petits trucs. Je profitais. Un petit live cet après-midi. Petit live cet après-midi. Et bah du coup début de semaine. Attendez, on va faire ça parce que je sens que le jeu est un peu enquiquinant. Et là on joue à Far Cry donc c'est trop bien. Le jeu est vraiment très très bon. J'aime beaucoup. Ah nice, un répétiteur Wi-Fi, j'ai jamais essayé. Et toi Nico, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? J'ai jamais essayé répétiteur Wi-Fi. Moi en haut, je sais que j'ai du mal à capter le Wi-Fi. Du coup, bah, j'enlève le Wi-Fi du téléphone et je suis en 4G. Parce que j'ai une deuxième box pour l'étage. Et le souci, c'est qu'elle a pas le même nom que ma vraie box. Donc c'est chiant pour changer, etc. Marshall Mathers, 13. Merci Marshall. Bienvenue à toi. Deuxième mois de réabonnement. Réabonnement, ça fait plaisir. Merci Marshall. Et pensez à checker le planning. Il est juste en dessous. Je vais à la marina. Surtout, quoi qu'il arrive, ne malmène pas ce cher bébé. Quoi ? Le camion, l'abîme pas. Conduis-le comme s'il y avait un gros bébé fini tout fragile à l'intérieur.
Un gros bébé, Philly. Compris. Ouais, c'est là aussi. Quoi? Putain, mais non, mais il troll de ouf! Niquez-vous! C'est abusé. C'est pas RP en plus. Ah non, je vais refaire la mission. Comment on fait? J'espère que ça va pas me remettre il y a 9h, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était sûr. Comment Philippe m'avait dit. Ok. Philippe, je suis à la marina. Surtout, quoi qu'il arrive, ne malmène pas ce cher bébé. Quoi? Le camion, l'abîme pas. Conduis-le comme s'il y avait un gros bébé Philly tout fragile à l'intérieur. Un gros bébé Philly. Compris. Tu vas faire pleurer bébé Philly. Ramène juste ce camion en un seul morceau. Ok la vedette? Je vais trouver un meilleur homme. Putain, l'effet que ça lui a fait quand il s'est pris la balle. Qu'est-ce que c'est que ça? Un alligator. Comme dans les anciens Far Cry, il y avait ça aussi. Il a l'air bien lourd, hein. Cogno, je suis à sec. Putain, le camion! C'est abusé, sérieusement. J'ai intérêt. J'ai même pas visé le camion. Officier, il faut faire vite. Sérieusement, c'est abusé. C'est abusé. Elle a la mitrailleuse, mais elle va pas à la mitrailleuse, vous savez. Le chien avant que le chien il tue le crocodile. Merde, un chien. Ah merde, le chien il a tué le croco. Ça j'aurais pas dit ça. Bon, je veux pas savoir dans la vraie vie comment ça se passe, mais je pensais pas qu'un chien ça pourrait tuer un crocodile. Sur la peau du croco, c'est dur quand même, tu vois. Bon, on s'en fout, on n'ira pas vérifier. Hein. Même si c'est un gros Rottweiler, putain, il est résistant, pépère. Hein. Pépère, il a un gilet pare-balles canin. Je
What the fuck? Attends, je vais attendre qu'il me tire dessus. Regardez la roquette arriver sur nous, c'est trop stylé. Vous pensez que c'est comme sur Fortnite? Si je saute... Ouh. Vous savez, sur Fortnite, tu peux... Si tu sautes au bon moment... Tu peux sauter sur la roquette. On a bien vu la roquette arriver vers nous. On va aller récupérer un peu les pièces. Comme ça, on est sûr de pas se prendre, je sais pas moi, une roquette mystère ou je sais pas quoi, un mystère freeze. Le camion est clean, on peut y aller. Ça va, Philae, comment ça va? Ah ouais, c'est possible. Bon, j'aurais quand même dit que le croco avait l'avantage, hein. Lima. Viva, viva! Non, 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 non. Ah, il est là le chemin. Allô, la route? Non, mais c'est abusé. Y'a plus de pont. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Ah, il y a un pont là, j'avais pas vu. Oula! Oh là là! Ah, nice, une route. Waouh. Au début, je pensais que c'était un chemin de... Enfin, je pensais que c'était le lit d'une rivière au début. Parce que sur la carte, ça avait pas l'air bien grand, mais en fait, c'est bon. Heureusement que je suis un pilote, hein. Tu braques quelqu'un avec ton arme, il te laisse passer. C'est beau, ça. Oh! Arrête de klaxonner si tu veux vivre. Allez, 600 mètres de plaisir. J'espère que je vais pas me prendre un mortier sur le visage. Et là, il y a un hélico qui arrive, il détruit mon camion, je me mets à pleurer. Voilà, fin de l'histoire. Nice. Lara,
J'ai établi le contact avec les Montero. On a réussi. Disons que Carlos veut pas entendre parler de moi, mais j'ai sympathisé avec sa fille. Elle devrait me permettre d'entrer. Tant mieux. Il faut qu'ils te considèrent comme leur semblable, Danny. Ok. Bien joué, la team. Bien joué. Ouais, il est vachement bien, Bomberman Far Cry 6. Moi, j'aime bien. Hein. Merci Nova pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue. Et merci Marshall pour ton soutien. Ouais, il est vachement bien. Il est beau. En coop, c'est trop bien. La carte, elle est folle. C'est top. Qu'est-ce qu'il y a ? Magic Philly, bébé. Merde, j'ai failli crever pour de la mousse. Non. De l'or blanc, Danny. Super rare. Et ça brûle comme en enfer. Chaque chose a son utilité, la vedette. Même toi. On aurait dit du polystyrène, non ? Opération Terminades. C'est bizarre de voir Monsieur Ray sur autre chose qu'Arma. Bah la semaine dernière j'ai joué qu'une fois Arma. Parce que tu viens pas souvent mater les lives pour ça. Non, il y a plein de sorties là, je veux jouer sur les sorties moi. C'est trop bien. C'est plaisir de jouer à des nouveaux jeux comme ça. Salut Danny. Alors. La Méfianef. Déjà 2 heures d'épisode YouTube, c'est beau. Ça s'arrête quand ? Camilla, c'est notre famille. On ferait mieux de se barrer. Ouais, mais personne ne demande ton avis parce que c'est pas ton camp. Qu'est-ce qui se passe ? Procès à nos amis. Ils comptent les pendre sur la place Verdera. C'est de leur faute s'ils en sont là. Non ! C'est de ta faute. Combien de fois je dois te dire qu'on doit leur apprendre à devenir des guerriers comme nous ? Mais toi, tu n'écoutes jamais. Tu n'écoutes jamais, Jon Snow. Je suis pas d'accord. Et alors quoi ? Dimanche, je sais pas, on verra dimanche, mais pour le moment, il n'y a rien de prévu. Enfin, il n'y a rien de définitif. Non, c'est pas les persos de Far Cry 3. On s'infiltre, on les libère et on tue les gêneurs s'il y en a. Ouais, faut changer de temps en temps, mais carrément, c'est trop chiant de jouer tout le temps le même truc. Non, puis surtout, moi j'ai 6000 heures de jeu sur Arma quand même, tu vois. Dans le clocher avant le jour de l'exécution. Personne ne doit devoir grimper là-haut. C'est pas comme si j'avais jamais joué à Arma, tu vois. C'est 6000 heures. On placerait l'arme. Miguel, Camilla et moi sur la place. J'ai plus rien à prouver, tu vois. La tour radio. Et pas de portable. À l'attaque. Elle fait la gueule, mademoiselle. Hein. Jusqu'à la mort, Camilla. Elle m'a pas l'air de passer une super journée, la pauvre. Las petites cosanos. Viva! C'est terrible. Je sais que c'est dur. On peut pas se téléporter là-bas? Et non. Ah si, on peut! Oh, trop bien. Merci, Seigneur. Honnêtement, la téléportation. Je trouve vraiment le jeu, il y a plein de choses qui ont été bien réfléchies. Et si tu veux explorer, t'explores. Si tu veux avancer, t'avances quoi. Je suis près de l'église. Hé, hey, c'est Miguel. Miguel ? Où est Carlos ? Il est occupé. Tu peux atteindre le clocher ? Je crois. Ok. Je t'ai laissé le fusil en haut. Sois discret. Les soldats doivent pas te voir. Ok. Bonne chance, mon ami. Alors, comment on va faire pour monter en haut ? Reste sur tes gardes. Comment ça va? Je suis un peu fait rêver là. Bon, ça va, je suis Assassin's Creed plutôt bon. Far Cry égale Just Cause? Moi, je préfère Far Cry. Quel cinéma. On est en position. Ok, fait, je suis là.
Laisse tourner le moteur. Bonne chance. J'ai l'œil sur José. Est-ce que je vais tirer ou est-ce que ça va être la cinématique ? Ami Yaran, vous me faites l'honneur de votre présence. Et moi, je vous honore de la mienne. Eux, ce sont de faux Yaran. Et ils n'ont pas leur place ici, dans notre paradis. Mon avis, ça va être une cinématique. Ah, c'est le frère de la demoiselle. Pour les punir de leur crime. On fait quoi, Carlos? Carlos! Bah là, faut agir, hein. Merde. Je dois reviser la corde. Oh! On s'est fait trahir! Non! Ah, il bande au tank! On s'est fait trahir. J'ai failli te perdre, crétin. Il y a un explosif sur son bras, vous avez vu? Non? Le clocher, imbécile! Putain. Oh là, Stalingrad. C'est moi ou il a de l'explosif? Ah ouais! Ah, ils étaient au courant! Pourquoi il a pas jeté l'explosif? Au lieu de jeter le gamin, tu jetais l'explosif et tu te barres avec le poney? Je sais pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Allez, Randro va mourir. Ouais, il y a Costa del Mar. Espada. Tout à fait, tout à fait. Je l'ai, je m'en occupe. Toi, tu me couvres, c'est compris? Un peu compliqué, quoi. Je l'ai. Envoie la d'autre. Oh, Camilla. Je pensais que ça passait. Non, si c'est pas par là, c'est derrière. Je l'ai. Et on fait tous des erreurs, hein. Camilla. Des erreurs. Ouais, le mur invisible, exactement. Je vous coupe. T'appelle. Philly, t'es passé où? Impossible d'entrer. On a Alejandro. Il est dans un sale état. Retrouve-moi à la tour. D'accord. Allez, je t'en supplie, tire sur les PNJ, là. C'est moi qui fais tout. Bah vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais le camion est détruit! Tu vas aller où?
Je sais qu'elle voulait le mettre dans le camion. Je veux trouver cette ordure. Ok. Je bouge. Je bouge. Je dois recharger. Je vois la cible. C'est pas comme si on n'était pas poursuivi, vous savez. On soit dans Call of Duty, vous savez. Call of Duty, mission d'infiltration. Je recharge. On y est presque. On peut le faire. Allez, go la team. Voilà. Alors on fait quoi? Ok. Par là, descendu. C'est le chat. Je bouge. Je dois tout faire ici. Quel plaisir. Putain, c'est passé tout près. Bien joué à nous. On est vraiment des gens extrêmement forts. Il faut le camp d'ici. Il faut y aller maintenant. Maintenant. Maintenant, il a dit. Ouais, j'avoue, j'ai des beaux skins d'armes. Allez, Philippe, plus vite. On avait une petite musique entraînante. Bala 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 bamba, se necesite una poca de glacias. Una poca de glacias se necesita. Una poca de glacias. Bala bamba. Bala bamba. On a envie de manger des... Comment ça s'appelle? Faritas. Faridas al del paso. C'est bon ça. Avec comment ça s'appelle? De la Desperados. Vous savez, la bière. Avec une petite despé là. Miam miam. Des envies malsaines, ça. Reste avec moi, allez. Putain, mais c'est abusé, le monde qui nous tire dessus, là. Ouais, non, mais attends. Non, mais au bout d'un moment, je suis tout seul à tirer. Il y a 40 régiments d'infanterie. C'est plus possible. C'est plus possible, c'est plus possible. Ouais, ils ont vraiment fait des vrais efforts, hein, graphiquement, si je suis d'accord avec toi. Allez, Philippe. J'aime bien le bruit qu'on fait quand on roule dans les champs. Ça me donne envie... ça me donne envie d'aller rouler dans les champs. Mamacita. Nice. Heureusement que j'ai débloqué ça. C'est l'IA qui m'a dit que c'était utile contre les hélicos. Parce que sinon c'est vraiment horrible. Et ce menu d'armes, il vous rappelle pas GTA? Ça va devenir une norme, je pense. Alors, ça dure combien de temps, le famoso course de la poursuitas? On n'a pas été repéré, c'est beau ça. Ça va,
Chippy ? C'est plus son prénom, j'ai oublié. Pablito, la vie c'est de l'eau. Calibré, même au resto. C'est vraiment pas scripté, hein. Par hasard, ils étaient là. Une petite ronde. Ouais, ça fait penser à Wasteland. Faudrait qu'on fasse du purge. Purge for life, c'est pas une bonne idée. En plus, ça va être Halloween. Ok, hélico. Quel plaisir. Mais putain, Danny, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est mais munitions infinies, je savais pas ça. Miguel m'a refilé de la merde. Bordel. Attends. Ah ouais, j'ai les munitions infinies, peu importe le véhicule. C'était un piège. Fais chier. Ah, je peux les tirer un par un, regardez. Je vois la cible. Je suis pas obligé de tout tirer d'un coup. Ok, j'avais pas compris. Moi, je restais appuyé, je tirais tout d'un coup. Ouais, c'est bien, on a bien avancé pour aujourd'hui, c'est cool. On a peut-être fait au moins la moitié de cette partie de l'île, je pense. Tiens bon, petit frère. Si c'est pas plus. Moi, je pense qu'il meurt et après il faut aller se venger. Lui, il nous a trahis, lui. Fili, une minute, putain. Quoi que t'imagines, Camilla, arrête. Regarde, elle sait. C'était pas ton frère. Elle sait. C'est un putain de traître. Et pourquoi pas, Fili? En explosif. Espada, tu as sauvé ton papa, mais moi je pouvais toujours crever. Tu m'as laissé pour mort dans ce putain de camp. Fili, on va le perdre. Tu penses que ton père a souffert? Imagine ce que José est capable de faire quand il a le temps. Recule la vedette. What the fuck? J'aurais pu dénoncer ce putain de camp, mais je l'ai pas fait. Putain de Montero. On est déjà mort, Camilla. Castillo, il a gagné. À mon avis, ouais. Bah ça valait bien le coup de faire tout. Ah merde, je pensais qu'il allait mourir. Non, j'aurais bien aimé qu'il meure. Respire, Espada. Ouais, mon lance-feu d'artifice sur Paris, ça serait insolent. Dans les cités, t'aurais que ça dans le 93. Serait le l'arme anti-police. Trouve ton équilibre. J'aime bien le gamin. Sait se calmer avant de frapper. Oui, papa. Oh non, sur des colombes. Ah, bien joué, mon oncle. Vous êtes sûrement au courant de notre victoire à l'ouest. Carlos Montero est mort. Tous ces soldats ont fui, et le tabac est sécurisé. Tire. Mais merde, donne-moi ça. Bien, bien. Quel suce bouboule là. Diego. Si j'avais su son plan, je lui aurais dit que les Montero sont une vieille famille de fermiers, et ce, depuis deux siècles. Je voulais juste vous faire une surprise, mon oncle. Diego, combien de soldats de ton oncle sont aussi issus des fermes? 80%, papa. Correct. Et voilà qu'il fait à présent un martyr du plus célèbre des Montero. Voyons maintenant combien de ces hommes veulent reconstruire le paradis. Por favor. Tu as tué l'oiseau de mon fils. Oh. Cours. Quoi? Cours. Bien visé. Quelle éducation, c'est beau. Je veux faire des enfants, je vais les éduquer comme ça. Oh, quel plaisir. C'est beau. Ouais, tu leur apprends la vraie vie là, ça change de TikTok et tout ça là. Oh, c'est carré là. C'est carré, c'est carré. Oh. Contact avec les Montero. Oh, on est devenu maire. C'est propre. Carlos veut pas entendre parler de moi, mais j'ai sympathisé avec sa fille. C'est bien, on a bien avancé là, c'est cool. Il faut qu'il te considère.
considèrent comme leurs semblables, Danny. Gagnent leur confiance. On se tient au courant. Bien joué à nous. Bien joué à nous. Je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. Camilla et toi, vous auriez pu m'abandonner. Ok. Merci, Danny. Merci. De rien, frère. Moi, je suis toujours là pour rendre service, moi. Ah, super, les bons tuyaux. Bon, ça fait 2h36. YouTube, cet épisode fait 15 gigas. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, parce que j'ai peur qu'après, YouTube, il galère un petit peu. C'est en partie pour ça que vous avez jamais eu la fin de The Last of Us 2 sur YouTube. C'est parce que j'avais fait une vidéo qui durait 7 heures. Elle pesait 60 gigas peut-être, je ne sais plus. Et comme j'ai la fibre, je m'en foutais un peu. Le souci, c'est que YouTube n'a jamais réussi à encoder cette vidéo. Et c'était trop compliqué de faire un montage là-dessus. La vidéo était trop grosse et le but, c'était de tout balancer d'un coup. Donc du coup, on va se laisser là-dessus. Déjà 2h37 pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. À mon avis, vous n'êtes pas beaucoup. Donc j'espère que ça vous a plu. Bisous YouTube, cœur cœur petit cœur, c'était Monsieur un Super sur Far Cry 6. Le jeu est très très bon, je suis très très fan du jeu. Et je pense qu'on a vraiment bien avancé. On va aller voir un petit peu où on en est. On est à 58%. Donc on est passé de 46 à 58, allez on va dire quasiment 60. On a tué quasiment 1000 ennemis, on a 19 heures de jeu. Donc écoutez, c'est bien, on avance tranquillement, sereinement, c'est ce qu'il faut. Bisous YouTube !